Metal up your ass! Out on Megaforce Records, it's called Kill Them All! Who wants this fucker? You wanna hear it with vocals? I go sing it. He fucking left the band. Which part of that? Hello? Grab him and like take him to this other place and then really take him to a higher plateau. Delete that. Bonsoir à tous, bienvenue dans Metallica Re-Revisited, épisode 3, consacré au tout début de la carrière de Metallica. On va reprendre là où on s'était arrêté la dernière fois. Est-ce qu'on se représente à chaque épisode, sachant qu'on va faire 468 épisodes? Ça commence à être relou. Il y a Nicolas et Guillaume, voilà, c'est bon, on est présenté. Voilà. On va partir du principe que les gens savent. Avant d'attaquer, on s'était quitté... À la toute fin de l'année 1981, le groupe est formé. Dave Mustaine et Ron McGovney ont rejoint James Hetfield et Lars Ulrich. On avait peut-être un ou deux trucs à préciser en rapport à l'émission précédente. Alors, quelques petites choses. Effectivement, il y a eu peut-être des approximations sur les informations qu'on avait quant à l'enregistrement de la démo Metal Massacre. Moi, j'ai quelques suppositions, mais pour l'instant, on n'a aucune source vraiment fiable pour confirmer avec quel type de microphone ils ont enregistré. Sur quelle piste ils ont enregistré quoi. Donc voilà, après on se branle un peu la nouille, hein. On va pas se cacher, mais ce serait sympa d'en apprendre un peu plus, même si cet enregistrement paraît assez rudimentaire. Il y a des choses qui collent pas trop. Par exemple, il y a des voix qui s'enchevêtrent, ce qui indique qu'il y a deux pistes consacrées au chant. Ça rentre en contradiction avec ce qu'a dit James Hetfield, qui a toujours dit qu'il y avait quatre pistes, que c'était vraiment la limitation complète et qu'ils ont dû se débrouiller pour coller le solo, puisque c'est donc Lloyd Grant qui joue le dernier solo du morceau, et ils ont dû se débrouiller pour passer son solo sur les passages de la piste chant sur lesquels il n'y a pas de chant, donc vraiment à l'arrache. Je vais donc très succinctement, je vais quand même parler de cette problématique qui est qu'en théorie, il y a une piste pour la batterie, une piste pour la guitare rythmique, une piste pour la basse, et que la quatrième piste sert soit pour le chant, soit pour la guitare lead. Évidemment, les deux en même temps, c'est pas possible. Donc le fait qu'il y ait des pistes de chant qui s'enchevêtrent, pour moi, ça pose un souci. Mais ma théorie, c'est qu'ils ont enregistré drums et guitare, donc la batterie et la guitare rythmique, en même temps. Donc ça ne prend qu'une piste. Ouais, moi, ma théorie est là. Mais... vous avez bien compris qu'on se branle un peu la nouille. Donc s'il y a des gens qui s'y connaissent, et puis pareil, moi je m'y connais pas à fond en 4 pistes, puisque je ne m'en suis jamais vraiment servi d'un 4 pistes à cassette, j'ai jamais eu ça, moi à chaque fois j'ai démarré très vite en numérique. Donc voilà, s'il y a des érudits la question, qui ont peut-être des suppositions, des interrogations, voilà, faut pas hésiter. On prend toutes les infos, toutes les précisions, toutes les corrections. On est super passionné par le sujet qu'on traite, mais nous sommes malgré tout des êtres humains. C'est ça. On peut faire des erreurs. On a beau avoir lu énormément de choses, fouillé partout, et on a beau être complètement nerd de Metallica, on peut se tromper, on peut faire des approximations, on peut faire des théories qui s'avèrent fausses. Donc faut surtout pas hésiter à nous. Non seulement à nous préciser des choses, mais aussi à nous demander des fois, si vous voulez savoir des choses, à aller les préciser. On sera un plaisir à aller fouiner, chercher, trouver les réponses. On avait un autre truc à débunker, entre guillemets, c'était le fameux cas de Mike Leftwich de Panic. On se disait, est-ce que c'est le batteur, est-ce que c'est le guitariste? Donc j'incrimine officiellement la biographie Metallica's Thrash Stash de Jerry Ewing. Puisque c'est dans cette biographie que j'ai vu que donc c'est bien écrit sur les early years, c'est écrit le fellow guitariste Mike Leftwich, et de ce que j'ai pu vérifier a priori en recoupant un peu partout, c'était bien, comme le disait Nico, le batteur et non pas le guitariste. Comme le disait Dave Mustaine. Donc voilà, on fait des intros sur Dave Mustaine en disant qu'il n'est pas très fiable, et voilà, finalement... De toute façon, on va vite se rendre compte qu'il n'y a aucun mec... qui est totalement fiable. C'est vrai. Ils sortent tous des saucisses. Voilà. Même Ron McGovney, qui a rétabli beaucoup de choses, a aussi dit 2-3 conneries. Mais c'est aussi ce qui rend le truc intéressant, d'aller assez un petit peu rechercher les choses et puis préciser. Après, là, on était vraiment dans du détail, micro-détail, mais c'était bien de préciser. C'est vrai. Donc, nous sommes au début de l'année 1982. Le groupe est formé. On a même évoqué non seulement le spandex, mais évidemment la camaraderie
qui commence à animer le groupe. Donc ça, on l'a pas vraiment précisé, mais c'est le moment. De toute façon, on va l'aborder. Mais James Hetfield et Lars Ulrich, malgré des débuts qu'on avait évoqués difficiles à base de harangues, sont quand même maintenant relativement proches. Outre effectivement Lars qui a toujours cette carte secrète de la collection monstrueuse de disques qui fait qu'à l'époque c'était quand même un peu la caverne d'Ali Baba, il y a quand même des liens très forts qui se forment avec James très vite après cet enregistrement Metal Massacre, quoi, où finalement ils étaient que les deux à faire l'enregistrement en mode débrouille. Et voilà, on peut considérer que ça les a énormément soudés. Donc, sans faire non plus de romance à l'eau de rose, Rod McGovney disait quand même que James était son âme sœur. Je pense que ça devait aussi créer une espèce de dissension dans leur amitié. Et puis, on rajoute par-dessus... L'ami Dave. Dave, avec son modèle viriliste, macho, dont il a le secret. Ça fait une alchimie un peu particulière. Et il y a... On l'évoquera de toute façon, je pense, dans l'épisode à plusieurs reprises. Et dans toute la carrière du groupe... Il y a un peu cet esprit bully où on se charrie, mais on se charrie un peu méchamment au point où je pense que ça devient plus très drôle pour ceux qui subissent un peu ces harcèlements. Donc évidemment, c'est dur de ne pas faire le psychologue de bazar une fois de plus, mais il y a quand même deux personnes qui ont plutôt morflé à l'école, c'est James et Dave, et évidemment, c'est quand même souvent eux les plus gros bourreaux. Oui, ils font pas mal d'histoires. C'est vrai qu'on peut préciser, on va parcourir un peu sur l'année 82, puisque c'est vraiment le moment où Metallica va commencer à se lancer en live, donc il va y avoir beaucoup d'anecdotes avec Dave qui fait des siennes. On peut préciser que Ron McGovney se sent d'autant plus mis à l'écart qu'on a déjà précisé, on a déjà expliqué dans les épisodes précédents qu'il est déjà davantage amateur de glam metal que les autres, moins porté sur le côté viriliste que tu évoquais tout à l'heure. Et en plus, à côté de ça, il a quelque chose, il a un esprit, je vais pas dire bigot, mais il vit vraiment mal tout le côté, le délire un peu sataniste qu'il peut y avoir dans la musique. Et il prend très au sérieux la découverte de Venom par James Hetfield, et il essaye de dissuader James Hetfield d'écouter Venom parce que c'est satanique, c'est pas bien. Et quand on sait, on a évoqué Dave Mustaine qui à l'époque est à fond sur ces trucs occultes et croit fermement à la magie noire et ce genre de choses, ça crée encore des dissensions entre eux et qui vont ne faire que se creuser tout au long de l'année 82. Ça va du coup aussi de pair avec Rod McGovney et pas hyper fan de toute la mouvance punk hardcore. Commence à éclater, et ça on en reparlera aussi parce que c'est une influence musicale du groupe qui est assez intéressante sur pas mal de morceaux, dont Whiplash que j'adore. Et sur Kill Em All en général d'ailleurs. Tout à fait. Et par exemple le morceau So What de Antidote Hair League, qui est un morceau assez scabreux au niveau des paroles. Voilà, Ron McGovney était là en mode « Non mais éteins ça tout de suite, c'est horrible, on peut pas écouter ça, quoi. » Donc évidemment, les autres, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils le repassaient en boucle pour lui faire les pieds. Exactement, ouais, il y a vraiment beaucoup de choses comme ça. Après, malgré tous ces petits délires, le groupe se soude quand même, mine de rien, ils répètent beaucoup, on l'a dit encore la fois précédente, ils répètent 6 soirs par semaine, ils essayent vraiment de s'astreindre à une dynamique sérieuse de groupe ambitieux, et c'est ce qui va les mener assez rapidement dans l'année 82, à leur tout premier concert, le fameux tout premier concert Metallica qui aura lieu le 14 mars. Je pense que la plupart d'entre vous ont vu passer la fameuse affiche jaune. À savoir d'ailleurs que tous les flyers, les affiches à l'époque sont réalisés par James. C'est lui qui a dessiné le logo de Metallica, c'est lui qui a des compétences graphiques, c'est lui qui va prendre en charge la communication visuelle de Metallica. Et ce tout premier concert au Radio City d'Anaheim, Californie, c'est un concert qui a été très tumultueux. D'ailleurs, aujourd'hui encore, James Hetfield a bien précisé que c'est une très bonne chose qu'il n'y ait pas de source audio. Pas de souvenir audio ni visuel de ce concert, parce que ça a été un échec assez retentissant pour eux. Ils étaient très ambitieux ce jour-là, ils étaient vraiment remontés à bloc pour montrer qu'il valait vraiment quelque chose. Il s'est passé pas mal de petits soucis. On est vraiment au tout début de Metallica, donc la setlist, c'est 7 reprises de chansons originales. It's the Lights, qui a déjà été enregistré, que le groupe maîtrise déjà très bien. Jump in the Fire, qui est un morceau son entrée. Écrit par Mustaine. Exactement. D'ailleurs, beaucoup de gens sont là pour voir Dave Mustaine, parce que c'est le héros du groupe, c'est le guitare héros du groupe, c'est celui qui est mis en avant, c'est celui qui fait les solos, et même mieux que ça, c'est celui qui parle entre les morceaux. James Hetfield est le frontman officiellement, parce que c'est lui qui chante,
mais c'est il n'a pas encore du tout son niveau de communication, son assurance sur scène. Et c'est Dave Mustaine qui fait le show, c'est Dave Mustaine qui discute avec les gens, et c'est Dave Mustaine aussi qui, ce soir-là, il est le seul à jouer de la guitare, casse très rapidement une corde. Sur l'intro de Hit the Lights, apparemment. Exactement. Dès le tout début, donc premier concert très difficile, ils sont le seul groupe, hein, y a pas d'ouverture, il n'y a que eux. Il y a des sources qui disent qu'ils cassent carrément trois cordes sur le solo final de Hit the Lights, mais il y en a d'autres, comme tu dis, qui ont, et a priori Lars Ulrich confirme cette version, c'est plutôt ils cassent une corde sur l'intro. Il n'a pas de guitare de rechange, il doit donc aller se mettre sur le côté et changer une guitare. James Hetfield ne sait absolument pas quoi faire pour essayer de faire patienter le public et pour un petit peu meubler. Donc, il ne dit rien. Alors attends, je me permets d'ajouter, mais en théorie, c'est le premier vrai concert sur scène de James et de Lars. Bah oui, parce que... Attends, je réfléchis. Et probablement de Ron aussi. Mais ils ont fait des concerts de cake parties avec leurs anciens groupes de reprise. C'est pour ça. Voilà, ils ont fait des petits trucs avec des potes dans des soirées étudiantes, ce genre de choses. Mais est-ce qu'on peut appeler ça des concerts? Pas vraiment. C'est pas des trucs vendus comme des concerts avec le côté un peu entrée officiel. Entrée payante. Avec. Voilà. Le parce bar que là, il y a fond. Une entrée payante. Voilà. C'est effectivement probablement leur premier concert officiel. En tout cas, premier concert qu'ils prennent eux vraiment sérieusement. Ils ont d'ailleurs juste avant de se lancer dans ce concert, ils ont enregistré la répétition de Chauffe dans le garage de Ron McGovney, ce qui va terminer sur la démo que les gens ont naturellement appelé Ron McGovney's Garage Demo. Ils se sont préparés très sérieusement en fait. Ils sont pas arrivés en se croyant déjà les meilleurs. C'est juste qu'ils ont joué de malchance avec la nervosité, parce que quand il y a du public, c'est pas la même chose que quand t'es dans ton garage. Et surtout ce fameux problème de corde de Dave Mustaine. Et en plus, Dave Mustaine qui va pousser le vice jusqu'à se prendre la tête avec l'organisateur, et considérant que l'organisateur est un connard, va cracher de la bière sur les enceintes, va se prendre la tête avec un peu tout le monde, et ça va se finir un peu en autre boudin. Alors, si tu me permets cette précision, Dave casse sa corde donc sur sa Ridge Beach, sa guitare, où il a que 6 cordes sur les 10, hein, soyons clairs, mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que il va changer la corde, il retourne en coulisses, changer la corde. Donc, c'est littéralement, il laisse ses potes devant. Donc, imaginez James qui regarde ses pieds. Et ça, un concert, c'est vrai que le silence, c'est vraiment l'ennemi, quoi. En théorie, là, c'est le moment où il faut commencer à faire des blagues et faire « Je sais pas si vous connaissez cette blague, alors c'est un Américain. » Parce qu'il voilà, faut quand même devant, a priori, devant 75 à 100 personnes à peu près. Ce donc, qui est loin d'être négligeable. Hein, ce qui est déjà 100 personnes, c'est un bon concert. Hein, pour un premier concert, honnêtement, c'est chaud, hein. Moi, je trouve voilà, que c'est pas évident. Même si c'est essentiellement des amis, des proches, des gens avec qui ils traînent, il y a quand même une espèce de pression. Quoi. C'est clair. Mais du coup, l'autre est en coulisses et il met 200 ans. Alors évidemment, 200 ans, c'est, je pense, le temps se dilate quand t'es sur scène et que t'as un gros blanc et que tout le monde est là en mode « Wouh ! Wouh ! » Voilà, ça, au bout d'une minute, ça paraît une heure. Donc, Dave revient et c'est reparti pour un tour. Surtout que c'est un peu drôle parce que Hit the Lights, bon, vous connaissez l'intro. Hein, l'intro, ça commence par une fin de morceau d'AC/DC. C'est-à-dire... on monte. Et là, bim, lancement du riff. Donc, a priori, c'est là qu'il a pété la corde. Ce qui est quand même un peu génial. Là, c'est génial. Voilà, je sais que j'en rajoute un peu. Mais faut admettre, c'est quand même une anecdote savoureuse. Le coup de évidemment saboter le reste en jetant de la bière un peu partout. Décidément, Dave a un truc avec la bière et le matériel. Il y en aura d'autres encore. Il y a quelque chose de vraiment de savoureux, je trouve, dans cette anecdote quand tu vois où le groupe va terminer. Quoi. Enfin, tu dis vraiment, c'est pas le truc de tu vois les Zeppelin, c'est le groupe où les mecs sont dès le départ tous ultra aguerris, ils ont déjà t'as l'impression qu'ils sont programmés pour ne jamais connaître d'échec, pour être tout le temps au top. Alors je me demande si c'est pas Gary Holt qui même avait fait une sortie comme ça en disant quand ouais. même quand on y repense c'est comme incroyable de pas avoir une guitare de rechange, le premier connard venu qui lance un groupe, il sait qu'il faut qu'il ait au moins deux guitares, il y a vraiment un côté on a vraiment envie d'y arriver, on est extrêmement ambitieux, mais en même temps on fait encore des erreurs de débutants qui sont tout à fait compréhensibles, bien sûr. Alors, d'ailleurs, cette sortie de Gary Holt, il l'a faite aussi parce que apparemment Lars Ulrich aurait dit que il me semble c'est Lars, hein, que Exodus n'était pas un groupe assez professionnel. Et du coup, lui, ouais. qu'est-ce qu'il a dit? Bah ouais, mais moi, nous, Exodus, quand on pétait une corde, on avait une guitare de spare quand même, ce qui est la moindre des choses. Et c'est Dieu Exactement. Sait que c'est vrai que c'est la moindre des choses. Surtout pour un méga kéké comme Mustaine, comme on en avait parlé la dernière fois, qui a quand même un triple stack. Hein. Donc en théorie, il aurait deux baffles et une tête d'ampli, quoi.
et son système HF. Dire un truc comme ça d'Exodus, qui est quand même un groupe qui a une super réputation live, même à l'époque, qui a vraiment la réputation de tout détruire, alors que Metallica, on va le voir, sur les premiers concerts, c'est quand même assez difficile. C'est assez brouillon, ça joue pas à la mort. Il y a quand même un petit temps d'adaptation. Enfin, il y a vraiment un temps d'apprentissage pour beaucoup d'entre eux, tu l'as rappelé, hein, mais voilà, Lars, c'est son premier groupe, c'est son premier concert. Il découvre tout, quoi. Mais il apprend tout sur le tas, quoi. C'est tellement légitime, de toute façon. Enfin, c'est tellement normal de pas être bon le premier concert. C'est impossible d'être bon un premier concert, quasiment. Enfin. Oui, en fait, c'est ça. C'est prévu, hein. Dès le départ, tu sais que ça va pas être terrible. Il faut du temps pour se mettre. Et puis, c'est vrai que jouer en concert, après, c'est quand même une expérience spécifique. Il faut apprendre à regarder le public. Il faut apprendre à gérer la scène au-delà de sa pure performance instrumentale. C'est essayer d'apprécier c'est un peu l'école de la vie, je veux dire. Mais c'est essayer d'apprécier l'instant présent et d'être conscient de tout ce qui se passe en même temps, d'avoir du recul sur ce qu'on fait et en même temps d'être à fond dedans. C'est-à-dire, moi, c'est comme ça que je vois le truc, quoi. Et au bout d'un moment, c'est vrai que ça vient. Mais moi, personnellement, il m'a fallu des dizaines et des dizaines d'années pour essayer de commencer à être un embryon, de vraiment à l'aise sur scène et d'être bien, suffisamment bien pour parler au public. Déjà, il y a plusieurs années d'apprentissage. Et d'ailleurs, je pense qu'avec Hetfield, ça se vérifiera relativement vite. Ah oui, voilà, mais c'est un vrai métier. Et par contre, il faut beaucoup plus que ça, bien évidemment, pour les décourager. Le Metallica, là, à l'époque, c'est des morts de faim. Ils enchaînent. Là, on est à un concert qui est le 14 mars, qui se passe très mal. Il n'y a rien qui les abat, ils sont en train de chercher à jouer toujours plus haut avec des belles affiches, et ils ont déjà pour objectif de jouer le 27 mars. Donc on est vraiment, on passe du 14 au 27, ils veulent ouvrir pour Saxon, puisqu'ils sont super fans de Saxon. Il se trouve que Ron McGovney, en fait, pour la petite histoire, Ron McGovney, on l'a dit dans l'épisode 1 ou 2, je crois que c'est l'épisode 1, il fait des photos, il a envie d'être photographe de groupe, et il se trouve qu'il assiste à un concert de Motley Crue et qui fait des photos pour eux, et il connaît bien Vince Neil et Tommy Lee, et il va aller leur parler au Whisky à Gogo, et ils vont lui parler de ce concert, en fait, et il va leur dire nous ça nous intéresse d'ouvrir pour Saxon, qui est un double concert d'ailleurs, faut préciser. Et Motley Crue lui dit nous on nous a proposé le truc, mais ça nous intéresse pas parce qu'on est déjà plus gros, et c'est vrai que Motley Crue est en train de vraiment d'exploser à l'époque, ouais. Voilà, elle a de quoi prétendre à plus. Il lui présente le mec qui gère le booking. Et c'est par ce biais que Ron McGovney va faire passer une cassette démo qui va donc prendre le nom officieux de Whiskey Audition Tape, sur laquelle il y a une nouvelle version de Little Lights et deux nouvelles reprises, Killing Time de Sweet Savage et Let It Loose de Savage. Et c'est à ce moment-là que je fais une toute petite parenthèse assez rapide, parce que c'est exactement dans cet intervalle qu'un certain Sammy Dijon va rejoindre le groupe. C'est donc au mois de mars 82, donc c'est avant le concert de Saxon normalement, parce qu'il cherche un chanteur, parce que James Hetfield veut se concentrer sur la guitare à ce moment-là. C'est là tu vois que tu... Voilà, il est vraiment encore on va dire hésitant sur ce qu'il veut faire, et il décide de tester un chanteur. Donc ce mec a fait partie d'un groupe qui s'appelle Restless. C'est un fan de glam et de heavy metal. Il a répété 3 semaines quand même avec Metallica, mais il ne fera jamais de concert avec le groupe. Il va pas passer la case sélection, notamment a priori du fait que James Hetfield, c'est quelqu'un d'extrêmement exigeant. On parlait de Lloyd Grant l'autre jour, il a jamais pris Lloyd Grant. D'ailleurs, c'est un truc qu'on n'a pas précisé. Mais James aussi n'était pas très chaud pour prendre Lloyd Grant, parce qu'il le trouvait tout aussi brillant en solo que vraiment pas assez carré en rythmique. Et lui, il était vraiment pointillé là-dessus. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'à un moment, il se dit, James prend quand même conscience qu'il est quand même très bon en rythmique, parce que ça, c'est un truc quasiment inné chez lui, j'ai l'impression. Il est vraiment excellent dès le départ. Et là, il se dit, bon, on va essayer de trouver une solution. Le fait est qu'en tout cas, on revient à notre concert de Saxon prévu pour le 27 mars. Il fait passer la cassette à une personne qui les book. C'est une fille qui leur dit, petite anecdote amusante, elle trouve que c'est très bien et ça lui fait penser à Back and Blue. Alors j'invite les gens à aller écouter Back and Blue pour voir à quel point ça ne ressemble pas du tout à Metallica et à quel point c'est même une insulte pour le Metallica de l'époque. Parce que Back and Blue, c'est un groupe qui est beaucoup plus soft que Metallica. Ouais, beaucoup plus FM, on peut dire, je pense. Voilà, beaucoup plus attiré d'ailleurs par les visuels glam et compagnie. Et le fait est que ça marche, il décroche le concert. Et là, on peut dire qu'on remet quand même le truc dans le contexte, parce que c'est ça qui est le plus intéressant, je trouve, avec le podcast, c'est d'essayer de remettre les choses dans le contexte, à quel point les choses vont vite. Et à quel point on passe de
On passe de rien à tout en peu de temps. C'est que le 14 mars, ils font un concert pathétique devant des potes. Et le 27, ils ouvrent deux fois le même soir pour Saxon, qui est quand même une pointure, et dont ils sont tous fans, hein, ou presque. Donc c'est un concert dont les conditions sont pas géniales. Hein. Il n'y a pas de soundcheck, ils n'ont pas de dressing room, parce que Saxon reçoit des invités. Il reçoit Mötley Crüe, justement. Ozzy et Sharon Osbourne. Donc pas de dressing room pour les groupes qui ouvrent. Partie, donc ça sous-entend aussi que sur scène, à mon avis, ils ne doivent pas avoir des masses de place. Il n'y a pas de changement de plateau, je pense, pour ce genre de... Il n'y a pas des masses de place, il n'y a pas de ventilateur, parce que les ventilateurs sont, je cite, réservés à M. Byford. Selon les rodis de Saxon, donc voilà. À prendre avec quand même des pincettes. Voilà. Si tu me permets, imagine, tu as Lars qui arrive, qui déjà a l'air d'avoir 14 ans. Et qui joue de la batterie quand même, bon, et avec son matos et son apparence. Et il dit, je peux avoir le ventilo? Moi, je suis rodi, je lui dis, ouais, mais non, non, c'est pas possible, monsieur, s'il vous plaît. Je comprends, voilà, je le dis. Ah, mais c'est, en tout cas, c'est vrai qu'ils sont, ils vont le raconter un peu après, mais ils seront un petit peu déçus parce qu'ils sont vraiment très fans de Saxon. Et enfin. On va déjà passer les premiers sets, 400 personnes sold out, ils sont payés $16, ça on le sait grâce aux notes de Lars qui a son petit calepin où il note tout. Ils étaient payés $15 pour le concert du 14 mars, et là ils sont payés 16 avec Saxon, ça rigole plus. Donc ils précisent, pas de soundcheck, son horrible, Dave était désaccordé tout le long, il a parlé au public avec un accent anglais, ah, ça c'est génial. Dave a commencé à prendre un accent anglais, très probablement pour se moquer de Saxon. Sur scène, donc du coup ça a mis tout le monde mal à l'aise, j'imagine James en plus qui à l'époque est comme assez timide et qui en plus tout comme Lars vénère Saxon. c'est assez drôle, c'est l'occasion pour eux de jouer Metal Militia pour la première fois, la première Metal Militia quand même, qui est un morceau ultra vénère et pour moi assez cardinal à l'époque, hein, qui a beaucoup marqué la scène, hein. De constater que la réaction, ils constatent assez rapidement que la réaction à ce morceau est assez incroyable et ils vont se rendre compte très vite sur les dates suivantes. Quand ils vont jouer ce morceau, il y aura toujours une réaction assez incroyable. Ils vont souvent rencontrer des fans qui vont leur demander s'ils peuvent jouer ce morceau, leur dédier ce morceau. Ils se rendent compte qu'il se passe un truc avec ce titre. C'est d'ailleurs le nom que vont spontanément prendre les armées de fans. Les fans de Metallica, ouais, carrément. Et c'est après ça, voilà. On en reparlera plus longuement des paroles, je pense, quand on traitera l'album qui les molle. Mais ouais. Voilà, il y a plusieurs types de morceaux dans ce premier album. Et ça, c'est le morceau pour parler des Metalheads dans son ensemble, un morceau rassembleur. Voilà, un peu comme. Il y a Whiplash, il y a un peu ce côté-là aussi, qui parle de San Francisco. Mais bon, on y reviendra plus tard. On passe au second set, toujours le même soir. Donc là, on passe de 400 personnes à 250. Ils sont toujours payés $16. Là, Lars précise que le son est bon. Il a l'air plutôt satisfait de ce deuxième set. Ils se sont chauffés avec le premier, on va dire. Il déplore le fait qu'ils n'ont pas vu les mecs de Saxon de toute la soirée. Et puis, il se passe quand même une anecdote qui est assez amusante et qu'il faut qu'on raconte. C'est que ce soir-là, il joue Sucking My Love de Diamond Head, sans préciser que c'est une reprise. C'est une mauvaise habitude que Metallica a à l'époque, c'est-à-dire qu'ils savent, ça James l'a confessé, hein, sans problème, ils savent que, même Lars en interview, je crois même dans Les Vieux Enfers, tu sais, il disait, ouais, on joue du Diamond Head, et comme aux États-Unis personne connaît, on s'embarrasse même pas à préciser que c'est pas de nous, et comme c'est une grosse inspiration, on balance les morceaux, et voilà, les gens ils pensent que c'est Metallica, et ça leur plaît. Le truc, c'est que dans le membre du crew de Saxon, il y a un mec qui s'appelle Paul Owen, qui est un chesson de Saxon, et qui l'a aussi été pour Diamond Head. Et lui, il se dit, c'est marrant, je connais ce morceau. Donc après le concert, il va voir Lars et il lui demande ironiquement, dis donc, tu connaîtrais pas un groupe qui s'appelle Diamond Head? Et Lars répond au premier degré, ah mais ouais, bien sûr, j'avoue, je suis super fan, bien sûr que je connais, j'adore. Pas j'avoue, mais bien sûr je connais, j'adore. Et l'autre lui fait comprendre quand même que c'est pas très réglo, quoi, ce qu'ils ont fait. Mais il se trouve qu'il n'en retiendra pas rigueur, puisque Paul Owen va travailler par la suite pour Metallica. Il va passer plus de 20 ans un gestion avec Metallica. Mais c'est l'anecdote assez amusante, quoi. Le mec qui leur fait comprendre que tout le monde ne tombe pas dans leur panneau. Qu'il les a bien grillés. Après, c'est vrai que la pratique d'arriver sur scène et de rien dire, parce que c'est ça, en fait. Hetfield ne disait rien, mais là, pour le coup, c'était un peu un silence coupable de ne pas dire que c'est des reprises, sachant quand même que la majorité de leurs sets, c'était du coup des reprises, quoi. Ouais, à l'époque, oui, ils jouent deux ou trois compos originales, et là, ils en ont trois. Mais tu vois aussi, par contre, qu'ils vont vite, parce que on est seulement deux semaines après le premier concert, et il y a déjà un nouveau morceau à jouer. Et il y a un critique du LA Times qui est là, dans la salle, ce soir-là, et il va résumer les choses assez simples.
Assez simplement, il va dire « Le groupe a du boulot, car c'est très gênant. » Mais il salue le talent du guitariste soliste. En gros, il le dit, alors je vais le dire en anglais, parce que c'est dur à traduire, mais l'expression ouais. est hyper drôle. C'est « Opening Quartet Metallica had one, but little else. » C'est-à-dire qu'en gros, ils avaient un truc, mais tout le reste, ça n'allait pas. Ouais. Et effectivement, ce qui est dit, c'est le « hot guitar player ». Alors, ils disent « Saxon pourrait aussi utiliser ce... » rapide et chaud guitar player à la Eddie Van Halen. Donc il parle de Mustaine. C'est quand même un truc de fou. Donc Mustaine, évidemment, déjà, il lui en fallait pas beaucoup. Il lit ça et il commence à se dire mais attends, mais James et Lars, c'est des charlots. Et littéralement. Et hein, moi, ça, on me compare à. Enfin, on parle de Van Halen en parlant de moi, quoi. On parle de me recruter, que ce serait utile que je sois dans Saxon. Parce qu'effectivement, dans Saxon, les deux guitaristes sont pas des énormes foudres de shred. Ouais. Voilà, on peut le dire comme ça. Mais. Donc James Hetfield en plein doute. Donc James Hetfield ne sent pas capable de chanter tout seul, ne sent pas capable de jouer de la guitare tout seul. Ça va quand même pas être facile. Hein. Ça va quand même pas être facile au niveau de sa voix, au niveau du pas évident. Et de l'autre côté, Dave lui, il se dit le leader du groupe, c'est moi quoi. Je suis la star du groupe. Les gens ils viennent me voir moi. C'est moi qui joue le mieux. C'est moi qui parle au micro. C'est moi le leader du groupe. Eh parce qu'il se dit c'est. On l'a entendu parler. On a vu qu'il était sympa. Le mec il est il a pris un accent anglais pour se foutre de la gueule des Saxons. Le mec il est cool. C'est lui la star du groupe. Quoi. C'est ça. Exactement. C'est lui qu'on va voir quoi. On est toujours au mois de mars. Là on est en train de finir le mois de mars, mais il faut qu'on précise quand même que donc ce qui a été enregistré dans le garage de Ron McGovney, qui donc a pris officieusement le nom de Ron McGovney Garage Demo auprès des fans. Cette démo elle circule. Ils en font quand même des copies, ils en passent à des potes, et ils font tourner un peu. Il faut savoir que c'est sur cette démo qu'il y a des riffs qui vont finir sur des albums de Metallica. Hein. Je crois que c'est celle-ci, hein. Si je dis pas de bêtises, c'est sur cette cassette qu'il y a des idées qui vont finir plus tard sur des albums de Metallica et même absolument. De Megadeth. On pourrait notamment... s'en écouter deux, trois, hein, si vous voulez. Voilà, donc on écoute la cassette là. Donc ça, c'est le morceau dit Jam. Avec eux des riffs qui s'enchaînent, donc là. Là, c'est la fin de Seek and Destroy. Tout à fait. Et ambiance répète, hein, j'adore. Ouais. Non, le Ghetto Blaster, hein, toujours. Je vous recommande ce document parce qu'il y a. Il y a même carrément des discussions de qu'est-ce qu'on fait, on rajoute ce riff. Ça, c'est des trucs qu'ils vont faire toute leur carrière avec Cliff, ils le feront avec Jason, ils le feront. Les cassettes remplies de riffs, d'idées chantées à la bouche. On en parlait dans l'épisode précédent quand ils emmènent leur petit Ghetto Blaster. Puis pendant que Lars bosse à sa station essence, ils enregistrent des riffs à la bouche pour pas les oublier. Alors, l'ingé son casse-couille arrive, mais on peut remarquer du coup que le micro est stéréo. Désolé, je peux pas m'en empêcher. Alors, moi, ce que j'ai noté, c'est que vers la fin, vers 12:58, il y a un truc vraiment hallucinant. Voilà. Ouais. Là, ça, je veux absolument qu'on l'écoute parce que c'est fou. Voilà. Donc, on est en 82. Et je sais pas si vous reconnaissez ce riff, qui sera pas exactement joué comme ça. Mais c'est donc un riff qu'il y aura dans To Live Is To Die sur Injustice For All. C'est un peu fou. Moi, je trouve ça fou. 7 ans plus tard, du coup. C'est vrai que on sent qu'il y a quelque chose, en tout cas. Hein. C'est une inspiration. Voilà, donc on va plutôt écouter ce genre de truc que d'écouter les morceaux en soi maquette, quoi. Parce que Hit The Light, quand il la répète, il n'y a pas grand intérêt. Et à Jumping Sapphire, il y a quelques trucs à droite, à gauche qui sont différents après... par exemple, je vais... Bah, vite fait. Dans Jump in the Fire, il y a... Jump in the Fire. J'adore. Oh, la basse. Voilà, ils sont pas très bien accordés. C'est vraiment... Ouais, puis c'est vraiment basique. Hein. Cliff va pas du tout jouer la même chose. Mais c'est pas la même. Non. Je mets tout de suite à ce passage-là, un peu plus loin. Je vous remets le chant parce que le chant valait le coup.
Ah bah, James Diamond Hetfield. Un petit peu arabisant, hein. Ah, Robert Plant n'est pas loin. Voilà, c'est Jean-Michel Cachemire. Ouais, c'est ça. Voilà. Ça, c'était la petite blague. Donc, bon, évidemment, on est en répète, hein. Les morceaux sont loin d'être prêts. Oui, alors, il y a des trucs rigolos, c'est que je pense qu'il y a des pains de Dave Mustaine sur It's the Lights, par exemple. J'ai noté parce que c'était assez significatif. Voilà, écoutez bien les riffs. Là, je sais pas si vous avez entendu, le riff progresse. Un ton dessus. Et un demi-ton. Ah oui. Après, c'est peut-être, c'est peut-être comme ça qu'il voulait le faire au départ. Non, parce qu'il y a un autre moment avant dans le morceau où il le fait bien. Donc, c'est sûrement un pain. Après, c'est une progression qui sonne. C'est terrible ce que je veux dire, mais ça sonne plus Megadeth que Metallica. Ben ouais, ça fait penser à Megadeth, mais carrément. Totalement. C'est assez rigolo. Il y a aussi autre chose. Putain, sur le truc de Jam, j'ai oublié un truc. Puisque du coup, ça, c'est la riff de Four Horsemen, mais qui n'existera pas tant que Dave Mustaine sera dans le groupe. C'est la ligne qui fait Pestilence for what you have to hinder. Toute cette ligne où il parle de tous les châtiments divins qui vont s'abattre dans Four Horsemen. Et ça, c'est la partie que Metallica a rajoutée après avoir viré Mustaine. Ah, donc ils seraient allés la repêcher. Donc ils sont allés la repêcher sur cette cassette de démo et que donc Mustaine probablement a joué ce riff en répète et l'a travaillé pour ensuite se le faire incorporer dans son propre morceau. À son insu. C'est vrai qu'il avait déjà beaucoup fait évoluer ce morceau, déjà quand lui était là avec Cliff, même là, on en reparlera, hein, mais la partie Sweet Home Alabama, tout ça, il était encore là, il y a plusieurs trucs, mais on en reparlera quand on sera bien dessus. Mais ouais, c'est vrai que c'est l'exemple d'un morceau qui a beaucoup progressé en peu de temps avec le mouvement de line-up qui se sont étalés sur 82-83. Mais c'est vrai que ouais, je me souvenais pas de tous les riffs, parce qu'il y en a quand même pas mal. Là, on écoute le Unreleased qui démonte son. Alors, on peut penser à plusieurs choses. On peut penser à Fade to Black. Mais surtout, ça fait énormément penser à un morceau de Megadeth qui s'appelle Sleepwalker, qui est présent sur United Abominations. Absolument. Qui est sorti en 2007. Donc, c'est probablement une idée de Dave. Bon, je pense que c'est une idée de Dave, en fait. Et donc, du coup, ce truc de... C'est une idée mélodique écrite par Ron McGovney et James Hetfield. On peut se permettre d'avoir des doutes, en fait. C'est peut-être une mauvaise interprétation. Parce que c'est vraiment l'intro de Sleepwalker, quoi. Qui est un bon morceau, je trouve. Ouais. On reconnaît, hein, les arpèges à la Mustaine, hein. Exactement, je suis complètement d'accord. Mmh. Donc pour moi, en fait, c'est pas James, c'est Ron McGovney. Je pense que c'est un truc... Mais ce qui est intéressant, c'est que Dave Mustaine a conservé ce truc-là de 82 à 2007. Quoi. Wow. Je pense que c'est parce qu'on entend les deux voix qu'on entend, c'est Hetfield et McGovney. Ouais. C'est peut-être pour ça que les gens ont déduit, mais ça se trouve, en fait, c'est Dave qui joue et c'est James et Ron qui commentent, quoi. Ce serait pas impossible. Bon, en tout cas, là, on est vraiment dans les théories fumeuses de gars qui enregistrent à 22h le soir. Mais donc, en tout cas, il faut vraiment écouter tous les riffs. Il y a plein de choses à retrouver. Enfin, n'hésitez pas, même après, dans les commentaires, à nous dire s'il y a des petits trucs. Vous avez des doutes, vous posez des questions, nous, on va regarder aussi. D'autres passages sympas, parce qu'on a écouté, mais on n'a pas non plus... on n'a pas tout repéré. Tu vois, le truc de Megadeth, par exemple, je ne l'ai pas retrouvé. Et puis moi, j'avoue, c'est des trucs que j'ai écoutés il y a longtemps et je n'ai pas trop réécouté. Je n'ai pas eu le temps en préparant. Ouais, je me suis vraiment concentré sur les faits. Moi, je connais assez peu les deux premiers Megadeth, je dois l'admettre. C'est un groupe que j'aime beaucoup, mais je suis pas hyper fan des deux premiers, donc je les connais pas, pas par cœur comme tout ce qu'ils ont fait après, mais bon, mes excuses, voilà, en tout cas, excuse à Dave en tout cas pour son travail, mais voilà, c'est vrai que ça sonne vraiment comme du Mustaine là, ce petit morceau Unreleased, et c'est tout à fait sympathique. C'est le moment de toute façon où ils enchaînent les démos, donc le 22 avril ils vont
ils vont continuer. Alors, je crois que le 22 avril, justement, c'est la date précise de la démo qui va être d'abord intitulée Metalus Maximus, puis Power Metal. C'est des démos, en fait, les gens leur donnent des noms. Alors, soit les membres du groupe Power Metal, on avait raconté ça sur notre page Facebook, le nom de la démo Power Metal vient de cartes de visite qui ont été imprimées par Ron McGovney. Lars Ulrich est la tête pensante de Metallica, il prend toutes les décisions, il est déjà, à l'époque, celui qui prend les décisions marketing, communication majeure, mais c'est-à-dire qu'il a le dernier mot, mais c'est le vrai intendant, c'est Ron McGovney. C'est lui qui fait même tout le sale boulot, on va y revenir, on a pas mal de détails là-dessus. À l'époque, il est chargé d'imprimer des cartes de visite qui comportent le numéro de téléphone de Lars et de Ron. Il me semble que ce sont les deux du groupe qu'on peut contacter. Il trouve que le visuel est un peu vide, c'est-à-dire le logo de Metallica sur fond bleu. Et il décide de rajouter les termes Power Metal, parce qu'il trouve que ça sonne bien. Ça présente peut-être la puissance de la musique du groupe. Lars est en furie quand il découvre ça, parce qu'il déteste le terme, ça ne colle pas du tout. Le terme Power Metal, ça colle pas du tout à ce que Metallica veut faire, c'est pas du tout ce qui lui plaît. Mais c'est trop tard, les cartes sont imprimées, ils vont les utiliser quand même, ça on a la preuve, puisqu'on a des... Pareil, on l'a mis sur Facebook, on a des cartes où Lars a rajouté à la main son nom et son numéro de téléphone. Et ça va beaucoup faire rire Dave et James, hein. On parlait tout à l'heure, les deux qui ricanent et qui se moquent tout le temps des autres, et ils vont choisir de manière sarcastique d'intituler cette démo Power Metal. On appelait Metalus Maximus, il me semble, parce que... Alors, je vous avoue que des fois, on se perd un peu dans les... Les dénominations dans les listes, ils ont plein de trucs, mais il me semble en tout cas que c'est celle-ci qui a pu être nommée... Metalus Maximus, ou à moins que c'est celle qui a été que ce soit le nom qui a été donné à celle qui maintenant est officiellement à la Ron McGovney's 82 Garage Demo. Beaucoup de gens ont cru que c'était des prises de concert, ça. C'est pareil, parce que comme ils jouent la setlist de leur premier concert, parce qu'en fait ils s'entraînent, ils répètent, et ils ont juste capté ça dans le garage, beaucoup de gens ont cru que c'était la captation live. Ils se sont dit, comme ils ont joué devant 3 pélos, on n'entend pas le public, c'est normal. Mais en fait non, ça c'est des trucs... Ça a pu être tout ça, ça a été expliqué, débunké par Ron McGovney lui-même, puisque les cassettes viennent de chez lui. Des fans de Metallica étaient allés chez lui, il les avait autorisés à copier les cassettes, il avait accepté que ça circule. C'est comme ça qu'on a pu accéder à tous ces documents. Donc on revient donc à cette fameuse démo Power Metal, après l'anecdote de la carte. Donc toujours enregistré dans le garage de Ron McGovney, on a des nouveaux morceaux, The Mechanics, qui deviendra donc Four Men plus tard, qui est un morceau extrêmement rapide, extrêmement véloce, écrit par Mustaine. Donc du coup, c'est quand même une démo. Il y a 4 morceaux, il y en a 2 de Mustaine et 2 de Hetfield, si je ne m'abuse. Il y a Motor Breath, It's the Lights de Hetfield et Jump in the Fire, et Mechanics. Ouais. Motor Breath qui, pour anecdote, Hugh Tanner, qui était dans Lesser Charm avec James Hetfield, a toujours dit qu'il avait écrit le riff principal de ce morceau, et même la majeure partie du morceau, pour lui, il est l'auteur du morceau. Et pour l'anecdote, il s'en était ouvert, parce que sur Twitter, il parle un petit peu. Et Dave Mustaine avait lui aussi, sur tout Twitter, commenté en disant « Moi, je me souviens bien que ce morceau, c'est une composition de Hugh Tanner. » Et Hugh Tanner l'avait remercié, il avait répondu dans les commentaires, et il avait dit « Merci de rétablir la vérité. » Et c'est une chose qui n'a pas forcément beaucoup circulé, mais en tout cas, il y a toujours débat là-dessus. Lui, il prétend ça, Dave Mustaine, en sachant que c'est Dave Mustaine, dit que c'est le cas. Dave Mustaine dit même, d'ailleurs, que lui-même, ça c'est une info Dave Mustaine, il dit que lui-même, il surnommait déjà Metallica The Four Horsemen avant que le terme ne soit utilisé pour le morceau. Il dit qu'il a emprunté ce mot à Gamma, qui était le groupe de Ronnie Monrose, donc du groupe Monrose, et il dit qu'il a repris, le morceau Four Horsemen avec Panic, donc le groupe qu'il avait avant de rejoindre Metallica, et il avait même suggéré à Metallica de reprendre ce morceau, et il dit que c'est ce qui a donné à James Hetfield l'idée d'intituler le morceau The Four Horsemen, une fois que Dave sera débarqué de Metallica. Jump in the Fire est crédité au seul nom de Dave et Lars au départ, avec un texte de Dave. D'ailleurs, le Come On, ça évoque beaucoup la reprise de Savage, dont on a parlé plus tôt. C'est vrai. Et puis voilà, qu'est-ce qu'on peut préciser d'autre? Bah, James essaye toujours de chanter comme Diamond Head. Il est en essayant peut-être de mettre plus d'agressivité quand même dans sa voix. Il se cherche. On va s'en écouter un petit bout quand même, parce que tant qu'on y est. Ah bah oui, hein, c'est vrai. Alors, j'avais dit qu'on le précisera peut-être, mais c'est quand même un peu rigolo. Mais oui, voilà, The Mechanics et Jump in the Fire ont des parties particulièrement The Mechanics. Ça parle quand même pas mal de cul.
Ouais. Puisque notre ami David Mustaine, bon, hein, on a déjà assez évoqué le sujet, mais voilà, The Mechanics, donc c'est une incroyable allégorie du sexe en passant par un moteur, je dirais, enfin bon, bref, c'est licence. C'est du Dédatrice, quoi. Oui, c'est oui, on peut dire ça. Et dans Jump in the Fire, il y a quelques passages où ça parle de remuer le bassin, des trucs un peu embarrassants quand même. Ah bah saute dans le feu, viens. C'est ça, voilà, feu, faut ça se lancer, faut y aller. Ouais. Donc voilà, on va écouter ça vite fait. Donc ça commence évidemment Power Metal, ça va commencer par Eat the Light. C'est original, énième version. Donc c'est là qu'on va pouvoir écouter le passage. J'ai fait écouter tout à l'heure, j'en profite. Donc sur Power Metal, est-ce qu'il y a cette progression ? Non, c'est la bonne. Voilà, donc cette partie-là, c'est la bonne. Je vous fais comparer par rapport à tout à l'heure. Il n'y a pas cette progression d'un demi-tour que Sten rajoutait. Du coup, mon cher Guillaume, qu'est-ce qu'il va y avoir maintenant ? Ah bah, surprise. Solo ! Donc du Shred Mustainien. Ouais, c'est clair. Pas mal de plans chromatiques, hein, c'est-à-dire qu'il bouge de demi-ton en demi-ton. Ce qui n'est pas forcément le plus mélodique. Faut pas dire que ça trace pas. Hein. Ça c'est le plan. Les leaks à Mustaine qu'on retrouve dans toute sa carrière. Ouais, il y a ça a le plan chromatique encore. Hein, ouais, dès le départ. Ça, c'est une partie qu'ils vont demander à Kirk de pas trop modifier plus tard. Ouais. Et il continue. Il ne s'arrête pas. À vous. Donc là quand même à route, hein. Route le son, salle de répète, ça s'entend. Boombox, hein, ouais. Je pense, hein. Reverb quand même et delay sur le chant, hein. Ouais. Une question de plus pour moi. Je sais, James est davantage à l'aise que sur la version Metal Massacre, hein. Il n'a pas d'infection à la gorge. C'est vrai. Toujours, hein, c'est vrai que ces réflexes diamondadiens, ils sont là. Ah oui, toujours. Moi, je sais pas comment ils avaient une reverb et un delay. Bah oui. Ça, c'est diamondadien de ouf. Encore. Et du coup, on va mettre The Mechanics, parce qu'au final, ouais, c'est probablement le morceau qui sera le plus modifié par la suite. Et surtout, il n'est pas encore joué au tempo... complètement furibard, ouais. Par rapport à Megadeth, où je pense qu'il y a au moins 10-15 points de plus sur la version Megadeth. On expliquera d'ailleurs pourquoi quand viendra le moment de Megadeth. Sachant que du coup, la vitesse d'exécution, je trouve, hein, sur Mechanics, change complètement la manière de jouer le riff, parce qu'on peut, sur Four Horsemen, le riff principal est joué en palm muting avec la corde de mi qui est palmée, et tu peux pas jouer aussi vite, ou c'est très difficile sur la version Megadeth. Donc, elle est plus motorédienne finalement, la version de Dave Mustaine sur Megadeth. Ouais, c'est vrai. Ouais. Ah là, c'est les paroles de Mustaine, du coup. Paroles de Mustaine, ouais. I do it for my life. Beau vibrato, je trouve, hein. Non, ouais, on sent qu'il est plus à l'aise. On comprend quand même qu'il a envie d'être chanteur. Donc là, c'est quand même encore plus lent que sur Kill Em All. Ça y va mollo. Du coup, ce qui est encore intéressant, c'est que là, on entend uniquement James Hetfield à la guitare. Donc les guitares ont été doublées à l'aide du 4 pistes, je pense. On n'entend que James Hetfield, car Mustaine, bizarrement, ne jouait pas les rythmiques.
Et ça, c'est chelou quand même. Ah ouais, parce que... Parce que là, c'est une captation en répète. Alors, pour moi, c'est une fausse captation en répète. C'est que je pense qu'ils ont encore fait le batterie-guitare en live. D'accord. Pour ensuite peut-être faire la basse, voire faire batterie-guitare-basse pour rajouter ensuite une guitare rythmique et la guitare lead et le chant. Ouais. Là, on voit d'ailleurs que c'est la première version puisqu'on n'a pas le pont. Voilà, il n'y a pas le pont, il n'y a pas toutes ces modifications qui, pour moi, rendent le morceau quand même vraiment meilleur. Ouais. Il n'y a pas non plus ce tempo insensé de la version Megadeth qui rend le truc complètement fou. Mais ça, c'est, ouais, c'est une histoire de revanche dont on parlera quand on y sera. J'ai du mal à déterminer s'il y a deux pistes de chant en même temps ou si c'est juste l'effet qui est monstrueux. C'est peut-être l'effet aussi. Je pense que c'est l'effet là. Voilà, et là on reprend direct sur ce riff qui est absolument monstrueux en quintolé. Ouais. Qui pour l'époque, hein, ça cartonne méchamment. Et à jouer, ça c'était pas accessible à tout le monde. Hein. Fallait quand même une certaine technique de palm muting. Solo. Triton direct. Un solo bluesy, hein, je crois qu'on peut ouais, le dire. Ouais, à fond. C'est hyper chaud à jouer. Là, la fin est un peu pas si mélodique que ça. Donc succinctement, c'est vrai que Mustaine du coup n'a pas l'air intéressé par jouer les rythmiques, ou en tout cas ça n'a pas l'air d'être dans l'idée du groupe, ce qui moi me semble un peu fou, parce que Mustaine pour moi hein, c'est vraiment un des meilleurs rythmiciens guitare électrique en métal. Puis surtout que là à l'époque il joue en live, parce que par exemple on pourra mettre des photos du concert avec Saxon, il fait toutes les guitares, Jeff ne tient que le micro, et il est frontman quoi, c'est... de la même manière que sur le premier concert à Anaheim. C'est Dave qui assure tout en live. Quoi. C'est donc, assez incompréhensible que du coup, après, sur la démo... Le fait est quand même que James, c'est quand même un... En rythmique, c'est un tueur. Quoi. Donc ça se trouve, il simplement... il va nous les passer, plus mieux, plus propre, plus... Je sais pas. Je suis désolé, Guillaume, mais... Mustaine, c'est quand même... C'est quand même... Enfin, il s'est révélé... très vite quand même un des meilleurs guitaristes rythmiques possible quoi de cette putain de planète quoi. Je cherche une explication. Je ne comprends pas en fait toutes ces inconsistances. Est-ce que c'est volontaire? Est-ce que c'est Mustaine qui voulait pas? Est-ce que c'est les autres qui ont dit non c'est plutôt Hetfield? La logique, c'est vrai que si c'est la même personne qui double les guitares, ça va plus coller, c'est normal, c'est oui. Plus c'est logique que ce soit un peu plus synchro. Mais ouais, ça me semble fou de avoir un groupe où tu joues les rythmiques en live et tu enregistres, tu fais ah non, moi je veux pas jouer ça, c'est trop. Surtout sur The Mechanics, c'est sa compo quoi. Donc, En plus. Donc bon voilà, il reste après Motor Breath, on va en écouter 2 secondes. Ouais. Putain, là le son il est bien crasse-couille. Là, les deux guitares sont très différentes. Ils jouent pas pareil. Ouais. L'attaque n'est pas la même que sur la version qu'on connaît tous. Alors, si en plus ils ont enregistré de la manière dont je suppose qu'ils l'ont fait, c'est très difficile. Hein. C'est-à-dire que le gars qui réenregistre qui fait le re-re, donc Hetfield, est obligé de se recaler sur un enregistrement live, ce qui est d'une difficulté, surtout avec le Lars de l'époque quand même, qui est un tempo assez fluctuant. Ouais, voilà, tu vois là le break qu'on vient d'entendre, il est complètement pas dedans quoi. Tu sens qu'il cherche un petit côté ska. Hein. C'est vrai, petit contretemps. Ouais, c'est marrant. Ouais. Super riff. Hein. On peut aussi quand même noter vite fait que le rythme de batterie là qu'on entend, c'est quand même très punk.
J'en parlerai un peu plus longuement, je pense, plus tard. Mais quelle on est dans cette esthétique punk hardcore qui naissait du coup aussi début des années 80. Et qui, pour le coup, est très original, adapté à du heavy metal, sachant que c'est quand même deux univers qui se... En théorie, hein, se rejette, hein, en théorie. Voilà. Bah, et à l'époque, se rejette même pour de vrai. Hein. On aura des anecdotes. Hein. Carcamet qui s'est fait jeter de concert, je sais plus quel groupe c'était, mais il va à New York, il s'est dégagé parce qu'il a les cheveux longs. Enfin, après, scène punk hardcore était vraiment sur-extrême aussi. Ouais. Les gens, ils se battaient, ils se donnaient des coups de couteau. Il y avait beaucoup d'anecdotes assez difficiles, hein, sur cette scène. On fera l'anecdote sur Kirk, mais en gros, il se fait dégager parce qu'il a les cheveux longs et les choses s'apaisent quand les gens se rendent compte qu'il est membre de Metallica et que les mecs respectent beaucoup Metallica. C'est aussi, ça va être la force du groupe, c'est que c'était un groupe respecté par les deux scènes. Quoi. Ouais, et c'est ça. Ça va favoriser son expansion. Et c'est aussi parce qu'il y a ce genre de riff de batterie, mais on en reviendra dessus. Il n'y a pas encore la petite... bien brutale. On va préciser aussi que c'est à cette époque, ça c'est quelque chose que j'ai découvert très récemment, un certain Mike Amick n'aurait pas fait, a priori, c'est vérifié, c'est prouvé par des documents, a fait deux auditions quand James voulait se concentrer sur la guitare. Et ce mec a notamment chanté The Mechanics, Phantom Lord, Eat the Light et Jump in the Fire. Donc c'est un certain Brian Silver, je le remercie, un Américain avec qui j'ai déjà pu échanger sur un groupe de collectionneurs Metallica qui a cette info parce qu'il a récupéré les feuilles sur lesquelles James avait manuscrit les textes pour le fameux Mike pour qui chante, et le mec les a vendus à ce collectionneur. Et pour l'anecdote, quand ce collectionneur a rencontré Lars Ulrich, je sais plus à quelle occasion, Meet and Greet ou quoi, il lui a parlé de ce gars-là, et Lars est tombé des nues, quoi. Il lui a dit: mais comment tu connais ce mec, on en a jamais parlé officiellement nulle part. Il a dit: bah, j'ai récupéré des feuilles, des feuillets. Et le fait est qu'à l'époque, ils essayent. Il y a des gens, en fait, dont on saura jamais qu'ils ont fait partie de Metallica, parce que les membres de Metallica eux-mêmes ne se souviennent même plus des gars. On disait, hein, le fameux bassiste dont ils ont complètement oublié le nom. Alors, a priori, peut-être bien qu'il s'appelait Glenn. C'est ce que j'ai pu retrouver en cherchant à l'époque. Mais il n'était pas assez bon, donc ils l'ont pas gardé. Là, le chanteur, pareil. Et surtout, un truc qui énerve vraiment James Hetfield, c'est que beaucoup des chanteurs qui viennent auditionner pour eux sont trop poseurs pour lui. Ils font trop le show. Ils se prennent tous pour David Lee Roth. Ça l'agace beaucoup. Lui, il veut plus de sobriété et ce qui est drôle, quand dans ton groupe t'as quand même Dave Mustaine à la guitare, quoi. Ça le dérangeait pas, mais ils avaient peut-être qu'à la guitare ça le dérange moins qu'au chant, ouais. Peut-être, ouais. D'ailleurs, c'est à la même époque que, selon Dave Mustaine, des années plus tard, mais il est toujours resté fidèle à cette théorie, cette version, mais il dit que déjà à cette époque, donc là on est au mois d'avril 82, lui et James, ils discutaient et ils se disaient: ouais, on va peut-être virer Lars quand même. Parce que Lars, il va nous freiner, il est pas assez bon, et puis son attitude, le caractère, c'est peut-être pas... Et puis, des fois, Dave aussi, il allait voir Lars quand James n'était pas là. Et puis il se disait: ouais... On va peut-être virer James quand même, parce qu'il est quand même pas sur scène, il a pas l'attitude, il est pas à l'aise, c'est peut-être pas le mec qu'il nous faut. Donc voilà, on est à l'époque, n'oublions pas que Dave pense être le leader du groupe, donc ils discutent. Lars, c'est le mec, c'est comme la grande gueule et le mec qui gère le truc depuis le départ. Donc il discute avec les gars et puis il se dit: bon, s'il faut en supprimer un pour aller plus loin, il faudra pas hésiter. Ouais, quelque chose qui sera bien respecté par la suite. Oui, voilà, c'est intéressant à préciser maintenant, quand on sait ce qui se passera par la suite. On parle justement, puisqu'on parle de chanteurs, on y vient, on est dans l'ordre chronologique. On a parlé de la fameuse Emo Power Metal, donc c'est en date du 22 avril. Le 23 avril, Metallica va donner son premier et seul concert à 5, avec Brad Parker, qui se fait donc appeler Damian Phillips, à la guitare. Ils vont jouer à la Concert Factory de Costa Mesa.
Donc, sachant que Damien Phillips, il porte un spandex, il se maquille, il est vraiment dans l'attitude qui est à la mode à Los Angeles à l'époque, le glam, l'outrance. C'est un mec qui flippe énormément avant de monter sur scène. Il est tellement nerveux, en fait, qu'il monte sur scène tout seul, avant les autres, et il commence à lâcher un solo. Ce qui est complètement paradoxal, puisque moi, personnellement, si j'aurais le Trax, la dernière chose que j'aurais envie de faire, c'est de monter seul sur scène. Bah, en fait, il est tellement nerveux, il tourne, il fait, allez, vas-y, je monte, et il monte avant les autres, il va trop vite, et il commence à shreller, et alors, il s'accroche avec Dave Mustaine, donc direct. Ça passe super mal. Ouais. Ah, ben, toujours, de toute façon, toujours. Donc, c'est un concert. Le concert va au bout, il n'y a pas de problème, mais bon, ce sera son seul. Il va devenir le guitariste d'un groupe qui s'appelle Odin, par la suite. Il joue devant 50 personnes, ils sont payés $4. Merci, Lars et les fiche de Lars. Lars trouve qu'il a lui-même très mal joué. Ils ont raccourci le set parce qu'ils sont montés sur scène plus tard que prévu. À l'époque, à l'origine, il devait ouvrir pour Crocus, mais finalement, c'est Laser Wolf qui a assuré la tête d'affiche. Crocus, le groupe suisse qui ressemble énormément à AC/DC. Ils ont finalement préféré continuer avec James Auchan suite à ce concert. Ils se sont dit, bon, allez, on prend James Auchan et à la guitare. Je précise, ils ont préféré continuer avec James Auchan et à la guitare. Mine de rien, ils n'ont pas totalement oublié l'envie de recruter un chanteur. Donc, au cours du mois qui suit, on va dire là, on est le 23 avril, donc entre avril et mai, ils vont beaucoup s'intéresser au chanteur d'Armored Saint, qui porte le doux nom de John Bush et qui est futur Anthrax. Qui va refuser, ça c'est pas un scoop, on le sait, mais il y a un document, c'est une guest list de concert où Lars a griffonné les noms des gens qu'ils invitent au concert et il a mis John Bush et il a mis entre parenthèses New Singer pour dire qu'il avait vraiment envie de le prendre. D'ailleurs, il y a une interview de James et Lars qui a été réalisée au moment où ils entraient en studio pour Kill Em All et où ils s'ouvrent un petit peu sur la question et ils disent vraiment John Bush, on avait vraiment envie de prendre ce mec parce qu'on trouvait qu'il était incroyable. Et méga, ils ont chanteur, vraiment fait... méga chanteur. Bah oui, ils ont fait des pieds et des mains pour l'avoir. On reviendra en détail sur ça parce qu'on en reparlera un peu plus tard. À la même période, Jeff Warner va faire partie du groupe. Donc à la guitare, hein. Jeff Warner c'est un guitariste. C'est un futur Black and Blue, le groupe dont on a parlé tout à l'heure, qu'on vous invite à aller écouter pour voir en quoi il ressemble à Metallica. Le fameux Black and Blue. Black and Blue, c'est aussi le groupe de Tommy Taylor qu'on connaît tous aujourd'hui parce qu'il tient la guitare dans Kiss. Dans Kiss, ouais. Et James connaissait déjà Jeff Warner, donc ils avaient déjà joué ensemble, ils avaient déjà jamais ensemble, donc ils ont voulu l'essayer. Mais encore une fois, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Donc on passe... Alors, accessoirement, je permets d'ajouter ça sur Warner, c'est qu'il était un peu ennuyé parce que Mustaine lui interdisait de jouer des solos de guitare. Oui, c'est voilà. Vrai, j'avais complètement oublié. Mustaine qui dit... Et qui sort le sifflet suite à l'anecdote avec l'autre qui part sur scène faire un solo qui dit non, toi tu fais les rythmiques, moi c'est les solos. Ambiance, hein. Ambiance. T'imagines, pas... c'est comme dans... Non mais c'est absurde. Dans Maiden, un des gars aurait décidé ça, je veux dire, c'est hallucinant quoi. Adrian Smith, il aurait fait non, je suis désolé, tu ne joueras pas de guitare lead, je serai tout seul. Il n'y aurait même pas eu d'harmonie, il n'y aurait rien eu quoi. C'est juste des riffs. T'imagines, c'est comme dans Wayne's World, No Stairway to Heaven, il met un petit. Sur le côté de scène, et à côté de l'heure qui tourne, il y a la petite pancarte, c'est No Solo. C'est fou quoi, c'est absolument fou, j'ai du mal à concevoir, mais c'est vraiment le délire de c'est moi le leader, c'est mon groupe, tu viens, tu fais ce qu'on te demande, c'est-à-dire la guitare rythmique, ce que je trouve mais absolument aberrant, et ce qui heureusement, Dave Mustaine a quand même changé d'avis plus tard dans Megadeth, parce que nom de Dieu, ça aurait été pénible d'avoir que lui à la guitare solo, surtout quand t'as Friedman et Poland et toute la clique quoi derrière. Enfin, surtout Friedman, ouais. Mais j'avais totalement oublié cette anecdote, mais c'est vrai que Jeff Warner s'en était ouvert de ça, il avait expliqué que le courant passait plutôt bien avec les autres, mais que avec Dave, c'était vraiment compliqué. Et ça, c'est un truc qui revient souvent avec beaucoup de monde. Hein. Mais ouais, ça, c'est quand même une anecdote savoureuse. Et donc là, on était... Tout ce qu'on vient de vous raconter, ça s'étale sur le mois d'avril, on va dire, et le mois d'avril et le mois de mai, à cheval sur le mois d'avril et le mois de mai. Et on arrive à la fin du mois de mai. Le 25 mai, Metallica donne le tout premier concert de James à la guitare et au chant. Alors là, encore... super anecdote, il joue dans le lycée de Lars, donc la Back Bay High à Costa Mesa. C'est une scène qui est montée comme une pièce de théâtre. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des décors. Et les décors ressemblent à une maison. Donc, il y a une cuisine, il y a un salon, il y a une porte d'entrée, il y a des chambres. Et donc, les loges du groupe, si on peut appeler ça des loges, sont dans la cuisine. Ils ont leur tuning room pour s'accorder et s'échauffer dans le salon. Et quand ils jouent devant le public, Ron Nagovny est dans une chambre, James et Lars sont dans le salon, Dave est dans une autre chambre. Ils montent sur scène à l'heure idéale pour jouer du métal, 11h15, pour la pause déjeuner. C'est leur cinquième concert, c'est la première fois qu'ils jouent Motor Breath. Les mecs, quand même, ils ont... la première fois qu'ils ont joué Motor Breath,
ils l'ont joué dans un décor de pièce de théâtre devant des lycéens qui n'en avaient absolument rien à foutre. Punk hardcore, et, à fond. Et Lars note dans son calepin, c'est un jour à oublier absolument. J'ai joué comme de la merde, tout s'est passé comme de la merde et sonnait comme de la merde. Vraiment horrible. Nous avons été payés 0$. Il y avait 200 personnes au début, puis 40, puis selon Ron McGovney, une vingtaine de personnes, les gens étant beaucoup plus intéressés par la cafétéria que par la musique. Et ça, c'est là, c'est le moment où tu t'es dit, c'est vraiment dommage qu'il n'y ait pas de document visuel. Ouais, là, ça aurait été génial. Le seul truc qu'on a, on va vous le mettre dans la version YouTube, c'est l'affiche qui est extrêmement sobre. C'est juste un truc écrit au feutre. C'est vraiment les trucs de lycée, tu sais. C'est vraiment les trucs. Ce soir, c'est le bal. On a écrit en majuscule, on a mis des points d'exclamation. Et un mec l'avait partagé sur Twitter. Et Ron McGovney a halluciné, quoi. Il a dit c'est la première fois que je vois ce document. Je l'avais jamais vu. Et le mec a priori a montré patte blanche entre guillemets. Il a prouvé qu'il était là-bas à l'époque et qu'il avait récupéré ce flyer. Et c'est assez exceptionnel quand tu te dis la première fois qu'il joue Motor Breath, c'est dans ces conditions, quoi. Et tu dis Ron McGovney, mais non, puisque c'est Ron McGooney, puisque Ron on McGooney. Peut enchaîner, puisque Metal Massacre sort le 14 juin, et c'est une sortie événementielle, puisque Brian Slagle, c'est le moment aussi d'en parler, il crée son label pour sortir le disque, on ne l'avait pas nommément dit dans l'épisode d'avant, c'est vrai. Et ce label s'appelle Metal Blade, et autant dire que ça va être une formidable histoire. On a évidemment détaillé qu'il avait déjà un avocat pour tous les papiers, mais voilà, donc la sortie de cette compilation, qui va quand même créer en Californie une explosion, hein, je pense qu'on peut le dire. Ah bah on peut le dire, parce qu'il y a 2500 exemplaires du premier pressage et c'est immédiatement sold out. Et il les vendait, il faut préciser, il les vendait $5.50, il les vendait vraiment pas cher, parce que l'objectif, c'est de faire connaître, c'est vraiment de véhiculer, c'est pas de se faire du pognon. Donc, et on parle quand même, on parle maintenant de 30 000 exemplaires écoulés sur toutes les versions, quoi. Donc le premier pressage, il saute à une vitesse incroyable. Aujourd'hui, Metal Massacre en 2022, il y en a eu 14 volumes. Ouais. Voilà, donc c'est pour vous donner un état d'esprit. Et surtout, Metal Massacre, ils vont déjà faire un volume 2 la même année. Où il y aura le groupe de Marty Friedman dedans qui s'appelle Aloha, si je ne m'abuse. Et ça, c'est stylé. Et d'ailleurs, dans la panique, Brian Slagle, quand il voit que les 2500 exemplaires sont déjà sold out, il en fait refaire quelques milliers par une compagnie qui s'appelle Metalworks. Et il verra jamais la couleur d'un centime du produit de la vente de ce repress. Et qu'est-ce qui va se passer d'un point de vue... Alors ça, on peut en parler succinctement, mais c'est vrai que Metal Massacre et le morceau de Metallica It's the Lies va faire quand même pas mal de remue-ménage, puisque c'est un morceau rapide pour l'époque, qui a des... Malgré, on l'a écouté dans les trucs, malgré les défauts techniques, il y a quand même une sauvagerie qui s'en dégage. Et il y a des gens aussi en Californie qui s'intéressent de très près, c'est les gars de Slayer. Aggressive Perfector, off the very first Slayer record. It was a Metallica ripoff. The intro is exactly like Hit the Lights. The middle part is exactly like Hit the Lights. And everything else. Et donc on vient d'écouter Dave Lombardo dans une interview assez déjantée de Fantomas qui déclare que Slayer, en gros, a bien pompé Hit the Light sur le morceau Aggressive Perfector. Et c'est vrai que les mecs de Slayer sont super impressionnés, notamment, on y revient toujours, par Dave Mustaine. C'est vraiment la rapidité du jeu. Il y a une anecdote où c'est Jeff Hanneman et Kerry King vont vraiment voir Metallica et ils se plantent devant Dave Mustaine et ils sont bouche bée devant lui. Ils regardent ses mains, ses mouvements de mains, ils essaient de voir comment il joue et ils sont vraiment impressionnés. Ça remet encore un peu, ça apporte encore un peu d'eau au moulin de Dave Mustaine qui considère qu'il est la star du groupe. Quoi. C'est clair. Il y a beaucoup de gens qui se déplacent pour le voir lui. Ça, c'est hallucinant. Et d'ailleurs, je reviens vite fait aussi pour Metal Massacre, hein. Mais Tom Gabriel Fischer de Celtic Frost, lui a récupéré la première compile de Metal Massacre, donc il est en Suisse. Il a même chopé les deux éditions, et pour lui, c'était un truc de fou. Hein. Ça a eu un énorme impact sur lui, à l'autre bout du monde, ce qui semble... c'est fou, il n'y avait pas Internet, il n'y avait rien, mais voilà. C'est dire l'influence que ça compile dans le monde entier, quoi. Et sur plein de musiciens très différents. Et là, on va arriver sur un truc qui va bien, je pense, on va conclure, fin de l'épisode, on va arriver sur cette petite anecdote savoureuse, on va finir le... On va quasiment finir le mois de juin, donc on va finir l'année scolaire. Donc le 16 juin, Lars va obtenir son diplôme au lycée, le fameux lycée où ils ont joué Motor Breath pour la première fois devant des gens qui n'en avaient rien à foutre. Et il faut savoir que cette année-là, Lars a fait une dissertation intitulée « Heavy Metal Rules the World ».
et qui marque beaucoup sa prof d'anglais, au point qu'elle va utiliser sa dissertation comme exemple pour les élèves qui manquent d'inspiration, et pour leur montrer que voilà comment on fait une bonne dissertation passionnée et inspirée. Et quand elle lui demande à Lars, mais comment tu fais pour connaître autant de choses sur le métal, il lui explique, je joue dans un groupe et c'est ce que je vais faire de ma vie. Tintintin. Bon, et ben écoute, moi je trouve que c'est super. On a fait du coup 6 mois en plus d'une heure. On est bien. On est pas mal. On a encore plein de choses, plein de concerts, plein de délires, plein de choses à dire. Donc voilà, on essaie vraiment, donc, comme vous pouvez le constater, d'être assez exhaustif. Donc voilà, on n'avance pas très très vite dans la grande story, mais là on est quand même dans des années d'une densité assez folle. Ce qui est très intéressant à voir là, c'est justement, c'est pour ça qu'on insiste toujours, on vous reprécise les dates et on vous précise les dates précédentes, c'est juste pour qu'on réalise vraiment à quel point ça va vite. C'est fou. Ça va extrêmement vite. Il se passe des tonnes de choses en l'espace de quelques semaines, quelques jours parfois, c'est assez dingue. Et donc ouais, je répète, c'est quand même, on est dans leur premier concert quoi, de ouais. leur vie à certains quoi. Je veux dire, Lars, c'est sûr. Lars, c'est absolument certain que ça fait partie de ses premiers concerts. Il n'a même pas fait beaucoup de cake parties ou de trucs comme ça. Donc c'est assez impressionnant les progrès que le groupe fait. Et puis même, on a écouté quand même les démos. Moi, je trouve que bon, on a tendance, voilà, c'est le petit point à Lars. On a tendance quand même à se foutre bien de la gueule de Lars parce qu'aujourd'hui, il n'est pas sérieux, il n'est pas carré. Mais là, on peut quand même constater vite fait les progrès qu'il fait à chaque démo. Évidemment, on est loin de la perfection, hein. Il est pas, c'est pas Gino Glan, mais quand même, quoi. Quand même, moi, je salue l'artiste. Voilà, parce que ça avance et ça avance vraiment dans le bon sens. On peut du coup comprendre que c'est un âge aussi où on peut évoluer avec beaucoup de volonté. On a beaucoup de ténacité. On peut vraiment faire évoluer son craft de musicien assez vite et c'est assez impressionnant. Ouais, il a vraiment une détermination qui force le respect. Bon, et ben du coup, au prochain épisode, peut-être les 6 prochains mois, peut-être même un peu plus. Soyons fous, on verra bien. Mais il y a encore énormément de bails, donc on compte sur vous et on vous dit rendez-vous à la prochaine. Merci. À la prochaine.